Le Congo est le pays le plus endetté de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, la CEMAC. La dette de la République du Congo, qu'on estimait autour de 70%, s'élève en réalité à 120% de son PIB. L'État congolais a en effet pendant des années dissimulé une partie importante de sa dette au travers de contrats pétroliers opaques. Qu'est-ce que cela signifie finalement pour son économie et pour la politique également du pays, mais aussi pour la sous-région au sens large? Nous posons la question ce matin à l'analyste financier Meis Moussi. Dans le grand angle, qu'est-ce qui peut pousser, Monsieur Moussi, bonjour d'abord, qu'est-ce qui peut pousser un pays à cacher une partie de sa dette, comme le Congo a en effet été accusé de le faire par le FMI? Aujourd'hui, on ne sait pas ce qui a poussé les autorités congolaises à dissimuler une partie de leur dette. Ce qu'on sait, c'est que la découverte de cette dette dissimulée intervient dans un contexte où l'économie congolaise est durement frappée par la baisse des prix du pétrole qui affecte de façon structurelle ses recettes. On sait aussi que la dette dissimulée du Congo est en réalité liée à l'activité pétrolière, puisque les prêteurs du Congo, dont on découvre aujourd'hui qu'ils ont une dette, qui est une dette dissimulée, en fait, que les Congolais leur doivent, sont principalement des acteurs du secteur pétrolier. Premièrement, des spécialistes du négoce, donc des grands traders, généralement suisses et hollandais, et des Chinois. Donc, le Congo, en réalité, a profité du moment où les prix étaient très élevés pour prendre des gages sur son pétrole et, en réalité, avoir des ressources supplémentaires, peut-être pour financer son développement ou d'autres activités. On se rend simplement compte que, dans le contexte où nous découvrons la dette cachée du Congo, ça va fortement impacter les relations avec le FMI dans la phase de négociation qu'on observe actuellement. Est-ce que cette situation a un impact sur les négociations? Le fait d'avoir dissimulé une partie de sa dette va nécessairement entraîner des conséquences. D'abord auprès des bailleurs de fonds comme le FMI, qui ne vont pas prêter, si jamais ils prêtent, avec la même ampleur que s'il n'y avait pas eu une dette cachée. Ensuite, ça va agir sur la confiance des créanciers vis-à-vis du Congo, puisque aujourd'hui, on ne sait pas si on a perdu la totalité de la dette cachée du Congo. La troisième chose qui est tout aussi importante que les économistes regardent, c'est ce que l'on appelle les critères de convergence du franc CFA qui sont applicables dans la zone CEMAC. Dans la zone CEMAC, les pays ont obligation de contenir leur dette en dessous de 70% du PIB. Or, lorsqu'on intègre la dette cachée du Congo, on se rend compte que la dette en pourcentage du PIB du Congo a atteint 120%. Donc on se rapproche du double des critères de convergence fixés par le franc CFA. Donc ça va nécessairement gêner les autres pays qui utilisent le franc CFA dans la zone CEMAC. Donc ça va prêter à conséquence. Je ne pense pas personnellement que le FMI va rompre les négociations parce que nous sommes dans un cycle où on veut assainir les économies de tous les pays de la CEMAC. Cela dit, le lien de confiance entre les autorités congolaises, le gouvernement congolais et les bailleurs de fonds va nécessairement être rompu. Maïs Moussi, il y a quelques mois, le Mozambique s'était retrouvé à la barre à son tour concernant sa dette. Et on constate aujourd'hui que le pays est en souffrance au niveau de son économie, justement. Effectivement, le Mozambique a, comme le Congo, dissimulé une partie importante de sa dette. Certains estiment que c'était un choix délibéré du Mozambique de cacher sa dette. Mais aujourd'hui, au-delà du choix délibéré du Mozambique, il faut regarder les conséquences. Pour la deuxième fois en moins de 6 mois, le Mozambique a fait défaut, c'est-à-dire que le Mozambique a été incapable de rembourser une partie de la dette qu'il doit aux bailleurs de fonds internationaux et les eurobonds qu'il a souscrits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur la place internationale, il ne va plus se trouver des personnes suffisamment crédibles, des bailleurs suffisamment outillés pour mettre leur argent à disposition d'un pays comme le Mozambique, puisqu'ils savent que le Mozambique ne rembourse pas ses dettes. Ça a un impact sur le développement. Ça a un impact sur les projets entrepris par les bailleurs dans le pays. Ça a un impact sur les partenariats publics-privés, puisque ce sont des mécanismes de financement qui intègrent une partie de fonds privés et une partie de fonds provenant du public. Donc, en réalité, c'est toute la structure de l'économie qui peut en être modifiée. Il faut regarder l'ampleur. Dans le cas du Congo, si ce pays se retrouvait dans une situation où les prix du pétrole augmentent,
très rapidement pour retrouver un niveau, par exemple, comme 60 ou 70 dollars, le Congo se trouverait fort aise. Mais nous ne sommes pas dans ce contexte. Donc, ça veut dire que le lendemain sera assez difficile pour les Congolais qui peuvent se retrouver dans une situation où les plans d'ajustement structurel les obligent non seulement à avoir des mesures plus dures qui pourront aller jusqu'au licenciement de la fonction publique ou peut-être, pourquoi pas, ne pas régler ou baisser le montant des retraites qui sont payées aux gens qui ne sont plus actifs.